Ben voilà les enfants, la série des merdes continue. Le frigo absorption vient de lâcher. Donc ce matin, j'ai voulu faire un essai, j'ai viré les grilles. J'ai voulu faire un essai en fait de tester la congélation, tu vois, la congélation en absorption et la congélation avec ma glacière qui descend à moins 20. Je voulais voir un petit peu à combien descendait le compartiment congélateur de l'absorption. Et puis là, j'ai allumé, je vais te montrer. Hop, ferme pour les bébêtes. Voilà, tu vois, il est allumé en gaz. Il est à fond. Et donc, il n'y a pas de froid. Il fait plus de froid. Alors, quand il commence à faire ça, bon, moi, il a commencé déjà à déconner. J'ai déjà tapé un petit peu dessus. Je vais t'expliquer le coup de taper dessus. Ou maintenant, de toute façon, j'ai une glacière. Donc, j'ai la glacière qui est là, qui est à moins 2. Tu vois, j'ai mes denrées à l'intérieur. J'ai tout ce qu'il faut. Ça marche très très bien, je vous la conseille, vous l'avez en description dans la vidéo. Enfin, je me sers si tu veux pour ranger, bon là par exemple j'ai mis de l'eau, tu vois, je mets toujours les œufs à poupoule qui sont là. Voilà, ça peut servir de rangement, de mettre des denrées, tu vois, et puis je le mets au premier cran pour que l'air passe, sinon ça sent mauvais. Pareil pour là. Enfin, le système en 220 marche toujours, le système en 12 volts marche toujours, mais en 12 volts ça vaut rien. Hein, ça maintient le froid, ça en provoque pas. Donc 220, il consomme quand même 190 watts. On a la conso qui est là, c'est un 142 litres. Et on voit 190 watts juste en dessous. C'est la conso électrique. Donc avant, je le faisais marcher essentiellement au 220. Donc il consommait 190 watts, d'accord. Bon, c'était super parce que je le faisais marcher avec mes panneaux solaires. Franchement, c'est pas la peine de consommer presque 200 watts, alors qu'avec cette glacière, ben je consomme 55 watts. Donc tu t'imagines, ça fait 4 fois moins, donc il n'y a pas photo. Donc je vais te montrer le coup de taper sur un frigo, ça peut te servir parce que ça peut le relancer un petit peu. Il y en a qui démontent le camping-car, moi, le frigo, qui chauffe le ballon, qui tape dessus, bon, qui le mettent à l'envers, tout ça. Il y a différentes petites méthodes. Et tu vois, on voit qu'il a déjà été tapé, ce frigo. Moi, j'y avais mis juste un petit coup, mais pas quand j'ai ouvert, j'ai découvert qu'il y avait déjà eu le mec, tu vois, il avait déjà choqué un petit peu en tapant pour remuer tout ça. Parce que ce qui se passe, c'est que là, en fait, tu vois, parce que là, la flamme, elle est allumée, tu vois, il est allumé et tout. Il est censé faire du froid. Ouais, la flamme elle y est, on la voit pas, mais elle est là. C'est bien chaud. Et donc le truc en fait, c'est taper sur la tuyauterie, tout le côté serpentin, tout ça, ça monte jusqu'en haut. Voilà, tu vois. Et la combustion va provoquer du froid. Et donc là, si tu veux, c'est le premier tube de combustion qui part entre là et cet endroit-là. D'accord. Et après, ça monte, ça va dans le ballon, tout ça, et ça continue, et ça va provoquer du froid. Or, la combustion encrasse la tuyauterie, et il fait plus de froid. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour te dépanner de ça? Il faut taper. Alors, moi, je tape avec le manche, hein. Je tape comme ça, un petit peu partout, pour faire tomber, en fait. Ça fait tomber la calamine. Je sais pas si on la voit là, peut-être on la voit un peu là. Quand je tape dessus, hop, tu vois la flamme, elle réagit et elle s'agrandit un peu. Et en fait, c'est quand on a une belle flamme bleue et un peu de belle taille que ça marche bien. Là, tu vois que ça tombe et que la saleté tombe. Donc après, il faut souffler. Tu souffles un petit peu en dessous et on voit plein de petits trucs qui partent. Des saletés, hop, tu vois, ça a éteint la flamme et crac, il a rallumé. Dès l'instant que je souffle, clac, tu vois, tu l'as entendu, il s'est rallumé. Attends, je vais essayer de pas bouger. On voit un peu mieux. Je vais souffler. Voilà. Et normalement, il doit faire du froid. Et donc, il arrive un moment donné où c'est vraiment calaminé, c'est vraiment bouché. Hop, petite mise au point. Et du coup, c'est foutu, ça a plus provoqué de froid. Donc là déjà, il est bien, il faudrait vraiment le démonter, il faudrait le retirer, faudrait vraiment arriver à insérer à l'intérieur, récurer comme un malade et tout. Et à ce moment-là, peut-être le récupérer un peu pour l'absorption. Mais voilà pourquoi je pointe du doigt finalement les systèmes au gaz d'absorption de ces frigos.
parce que ça tient pas énormément. Mon camping-car, il a 70 000 km. Donc, t'imagines bien qu'ils l'ont pas énormément utilisé, ce frigo. Et donc, voilà, c'est pas un, si un camion, il a par exemple 200 000 bornes, ou 150 000 bornes, même 100 000 bornes, bon, ben, le frigo a été plus utilisé. Mais à 70 000 km, tu comprends bien qu'ils l'ont peu utilisé. Et pourtant, il y a déjà des problèmes assez importants. Oups, attends, je rentre parce qu'il y a du vent. Et le froid s'est terminé en absorption pour ce frigo. Donc ça fait quand même, tu peux quand même faire un rangement, mettre des choses, voilà, t'en servir. Ranger des choses, de l'eau, des boîtes, ce que tu veux, ça peut faire du rangement en plus, hein, même certains légumes qui sont pas forcément obligés d'être réfrigérés. Donc voilà, bon, ben le changer, ça serait 1300-1400 balles, et franchement, ben c'est pas dans mes moyens, et j'en ai pas particulièrement envie. Donc il va rester comme ça. Je vais continuer un petit peu à lui taper un peu dessus, mais bon, tu sais, quand après, à force de taper, tu t'aperçois que c'est fini, là, ben c'est terminé. Après, il n'y a plus rien à faire à part vraiment sortir, essayer de le nettoyer, de le faire écurer, de le faire faire. Ben voilà, ça va te coûter des ronds. Et je me demande si ça va pas te coûter plus que 300 balles d'une glacière à compression, comme je propose dans mes vidéos et en lien dans cette description que je t'invite à aller voir. Donc voilà, c'est un petit peu la série des merdes. Sinon, à part ça, ben très très beau temps pour septembre. Voilà, très 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 beau temps. Mes panneaux solaires vont très 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 bien avec un beau soleil. Tu vois, je les dirige, je les incline en fonction ben du soleil de manière à entrer un maximum d'énergie. Cela dit, je suis c'est vraiment du plus, hein, ces petits panneaux solaires souples. C'est pas du tout ce que je conseille. Ça vaut pas un bon cadre en alu. Donc voilà, j'ai d'autres projets pour rentrer de l'énergie, parce que bon, ben ça, c'est un petit peu limite. Bon, je me démerde sans problème en énergie, j'ai ce qu'il faut, parce que ben je suis minimaliste, donc je me débrouille bien avec à peu près 300 watts pour l'instant, je me débrouille pas mal. Mais bon, c'est en changeant le ferry dust, ben j'ai un petit peu pris tout mon budget pour pouvoir l'acheter, tout ça. Donc maintenant, je vais penser un petit peu à un peu plus de solaire. Et faire quelque chose d'un petit peu mieux au niveau énergie. Bon, c'est quand même casse-couille, c'est quand même chiant. Donc les frigos absorption, moi ça m'emmerde plus qu'autre chose. Je trouve ça un petit peu con, hein, voilà. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ces frigos absorption. Encore une petite merde de plus, hein. Bah, écoutez, c'est comme ça, c'est la série. Je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo qui compte vraiment pour moi, qui est vraiment importante. On se retrouve très vite dans les vidéos, les enfants. Soyez sages, à très vite.